petit clin d'œil rapide, c'est toujours amusant de revoir la lignée. Donc c'est en 89 qui est sortie la MX-5. Ce qu'il faut savoir, il s'en cache pas. À l'époque, Mazda était très influencé par les roadsters anglais des années 60, notamment les MG, les Triumph, qui avaient complètement créé le genre. Hein. C'est surtout les Américains qui achetaient ça. Beaucoup de GI, ils avaient découvert en venant en Europe ces petites voitures légères chevaux devant. Ça faisait un carton, ça se vendait très bien. D'ailleurs, même l'Angleterre avait donné priorité au marché américain. Et puis, c'est quelque chose qui s'est arrêté, on va dire, dans les années 70, avec les normes de sécurité, etc. Il fallait avoir des arceaux, enfin bon, et puis c'était trop rustique. Et c'est finalement un journaliste américain qui a conseillé Mazda dans les années 80. Ils ont commencé à travailler dessus en 85, ils ont mis 4 ans, en leur disant, voilà, refaites une voiture, refaites cet esprit du roadster anglais, c'est-à-dire léger, bas, propulsion, petite boîte de vitesse. Et ça a donné cette voiture qui en est, c'est fou, c'est des Japonais, l'héritière. Là, vous voyez la deuxième génération, pardon, la bleue, qui abandonne les phares rétractables, mais on voit encore qu'il est très dans le même esprit que la génération première. Et puis la troisième génération, c'était un peu, peut-être un peu bourgeoisé, je passe rapidement. Il y a une vraie rupture avec la dernière, je trouve, avec la quatrième, mais qui conserve dans le plaisir de conduire. Gère les gènes de la voiture. On en a parlé hier avec Cédric, mais c'est vrai que le fait d'abaisser de 2 cm le centre de gravité, d'avancer un peu le moteur aussi d'environ 5 cm, ils ont joué partout pour qu'on soit encore plus corps avec la machine. Et alors, ils racontaient, bon, c'est un peu du marketing, mais pour gagner du poids, ils sont allés très loin. Il n'y a que 4 écrous au lieu de 5 qui serrent les vis. Vous voyez ? Il y a plus d'aluminium dans la voiture. Toutes les pièces où ils ont pu faire des trous et se trouver sans toucher la structure, ils l'ont fait. Donc il y a une barre de moins dans les jambes. Il y a soi-disant un détail que je trouve d'ailleurs les de rire. Tout n'est que détail dans la vie, mais je ne sais pas si je pourrais vous la filmer là, mais la barre qui règle le fauteuil, ils l'ont raccourci aussi. Je ne sais pas si on la voit pas là, je ne peux pas vous montrer là, mais elle est plus petite. Pour gagner, ils disent on essaie de gagner chaque gramme. Je trouve ça génial. Elle fait 100 kg de moins, elle est encore plus légère. Le designer jouait beaucoup sur le fait que ce soit rectiligne. Ils ont aussi rapproché 1,5 cm pour que le conducteur soit encore plus au centre. Et toute la symétrie du volant, vous voyez, des aiguilles, tout est dans l'axe, les aérateurs. Bon, là, c'est de la petite observation, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce sentiment quand vous la conduisez de faire totalement corps avec la machine. C'est très fort, hein. C'est vraiment c'est la force de cette voiture. C'est cette capacité à vous transmettre tout. C'est vrai, il disait, il y a certaines voitures qui conduisent à votre place, c'est vrai, il y a des grosses berlines. Ça, cette voiture, vous la conduisez, quoi. Et c'est très juste. Mais même sur les fauteuils, ils ont travaillé sur des nouveaux tissus, des nouveaux. Là, c'est effectivement ce qu'on disait, il y a le son, là, c'est assez amusant. Mais ils sont allés très loin. Et il y a certaines avec les options et carreaux. C'est vraiment très bien fait. Good job.